Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Alors, c'est Clémence. J'aimerais vous partager un témoignage, histoire de vous exhorter afin de marcher dans la sanctification totale que le Seigneur nous recommande. Alors, avant de commencer, je vais remettre le moment entre les mains du Seigneur. Éternel de Tout-Puissant, je viens vers toi au nom puissant de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Éternel, j'implore, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne me guider, que ton Saint-Esprit prenne possession, Seigneur, de ma pensée, de ma bouche, de mon cœur, afin que je puisse partager le témoignage, Seigneur, comme tu le veux, Seigneur. Éternel, je t'en supplie que ton Saint-Esprit m'assiste et que toute la gloire te revienne, Éternel. Merci, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, au fait, c'est au début de l'année, en février, au fait, le témoignage, ça porte sur les musiques pseudo-chrétiennes, on va dire. Les musiques qui sont, on dit gospel, mais voilà, c'est pas vraiment gospel, c'est pas vraiment inspiré de Dieu. Alors, moi, de base, je n'écoute plus les musiques mondaines. Voilà, je n'écoute plus les musiques mondaines. Même certaines musiques gospel, je fais attention. Quand je vois un peu, des fois, des signes franc-maçonniques ou bien les signes illuminati, genre, je ne regarde plus, au fait. Alors, au fait, je vais vous expliquer, je vais vous dire d'abord le rêve et puis après, je vais expliquer, voilà. Alors, dans le rêve, j'étais éveillée, j'étais en train de demander à Dieu, pourquoi est-ce que je suis persécutée, pourquoi est-ce qu'il y a les esprits qui viennent me persécuter et tout. Et puis, dans le rêve, le Seigneur, j'entends la voix du Saint-Esprit. En fait, j'ai une vision en fait dans le rêve. Dans le rêve, j'ai une vision. Et sur l'écran, je suis en train de voir en fait un artiste. L'artiste, c'est un Nigérien. Mais voilà, je vais pas dire son nom. C'est un artiste nigérien. J'écoute souvent ses chansons. Et il était en train de donner en fait un concert. Et il était sur la scène en train de chanter et tout. Et les gens aussi étaient en train de chanter avec lui. Et arrivé un moment, il a levé au fait ses deux mains. Et moi, je voyais du sang couler sur ses deux mains. Et après, quand il prononçait au fait le nom de Jésus, parce que la chanson qu'il était en train de chanter, je connaissais cette chanson en fait. Et normalement, là où normalement il devait dire le nom de Jésus, il disait le nom de Jésus, mais moi j'entendais dans mes oreilles Satan. C'est ce que j'entendais. Et puis j'ai commencé à lui reprocher, mais pourquoi est-ce qu'il dit Satan, que normalement c'est Jésus-Christ qu'il devait dire, parce que je connaissais la chanson, que c'est Jésus-Christ devait dire. Et là, en fait, il a remarqué au fait que voilà, que j'ai compris, donc il a commencé à m'attaquer et tout. C'était un combat, hein. Mais avec Dieu, on gagne toujours, donc. Et après cela, je me suis réveillée. Dans l'après-midi, en étudiant ma Bible, j'étais en train de méditer et tout. Et le Saint-Esprit me rappelle, en fait, la signification, on va dire, la signification du rêve, ou bien le pourquoi il m'a montré cela. Alors, au fait, une semaine, ou bien on va dire quelques jours avant que je ne fasse ce rêve, ce jour-là, j'étais contente et tout. Donc voilà, j'étais même en train de préparer. J'ai mis mes écouteurs, j'étais allée sur YouTube, voilà, j'écoutais de la musique, c'était du gospel, tout ça. Mais vu que
En fait, c'était automatique. Donc, YouTube même te propose voilà, certaines musiques et tout. Et j'écoutais, voilà, au début, je ressentais la présence de Dieu. Je n'étais pas avec le téléphone vieux que je préparais. J'écoutais, voilà, je dansais et tout. Mais arrivé un moment, j'ai senti au fait que l'atmosphère a changé. C'est devenu bizarre. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je me rends compte qu'au fait, c'était la musique. Voilà, j'ai senti au fait que je devais arrêter. Donc, j'ai arrêté. Et puis, voilà. Après, j'ai arrêté la musique parce que c'était pas. Bah, l'atmosphère était un peu bizarre. Et c'est, voilà, c'est après que j'ai fait ce rêve. Et voilà, le Saint-Esprit me disait au fait que c'est à cause de ça. Que c'est à cause de ces chansons-là. Ces chansons, ce sont des chansons pseudo-chrétiennes. Mais c'est pas inspiré de Dieu. Donc, c'est le pourquoi. En plus, voilà, j'ai compris au fait que quand on écoute les musiques, c'est puissant. Les musiques, c'est vraiment puissant. Quand on écoute ces chansons, c'est comme si on est en train d'inviter ces esprits impurs. Parce que quand on écoute les adorations de Dieu, on sent la présence de Dieu. Si on sent la présence de Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit, il est là. Si on écoute une chanson qui est inspirée du diable, bah, ça veut dire que les démons sont là. Ça veut dire que les démons sont là. Donc, en plus, j'avais regardé un témoignage. C'était le frère, au fait, regardait dans le monde spirituel. Le Seigneur lui avait donné voilà, un don de pouvoir regarder dans le monde spirituel. Et c'était comme une animation, donc voilà. Et dans l'animation, arrivé un moment, en fait, il y avait des... Voilà, ce sont des mondains, les païens, on va dire, qui écoutaient de la musique. Et ils étaient entourés, au fait, des démons, vous voyez, parce que les musiques, c'est inspiré du diable, voilà. Toute musique qui n'est pas inspirée de Dieu, automatiquement, ça vient du diable. Donc, les démons étaient autour de ces personnes-là. Donc voilà, si on écoute des musiques qui ne sont pas inspirées de Dieu, automatiquement, on est en train d'inviter ces esprits impurs. Alors, moi, ce que j'ai compris au fait que je dois faire, c'est vraiment de prier. C'est vraiment de... Normalement, c'est ce que je fais. Je prie avant de choisir la musique. Même maintenant, je suis très, très sélective sur la musique. Peut-être que je n'écoute que deux ou bien trois, je ne sais plus. Mais quand même, ce n'est pas beaucoup. Les artistes que j'écoute maintenant, ce n'est pas beaucoup. Les personnes avec qui je sens vraiment la présence du Saint-Esprit, ce n'est que... Même si je dois écouter en boucle et en boucle, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. Juste pour vous encourager à prier le Saint-Esprit, à prier Dieu avant de choisir les musiques et puis à faire attention si vous écoutez une musique chrétienne mais vous ne sentez pas la présence du Saint-Esprit, le mieux c'est d'arrêter ou bien de prier, de demander, voilà. Et en plus, voilà, comme j'ai dit, les signes, toutes ces choses, il faut faire très attention. Même l'habillement, est-ce que l'habillement est décent, tout ça, il faut faire très attention. En plus, pour les films aussi, c'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, je ne pense pas qu'on devrait encore regarder des films païens. C'est pas bien de regarder les films païens. En tout cas, moi, le Seigneur m'a vraiment convaincue de ne plus regarder ces films. Même les films qui se disent chrétiens, mais dans lesquels il y a des actes impudiques. Par exemple, les bisous sur la bouche. C'est pas bien pour nos yeux spirituels. Peut-être que d'autres personnes diront que c'est pas grave. Mais pour nos yeux spirituels, c'est pas bien en fait. Donc, voilà, moi, je vous encourage à ne vraiment plus regarder ces choses, quoi, parce que le Seigneur l'a dit de ne pas aimer le monde, au fait. Il a dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Vraiment, il faut qu'on se mette vraiment à part et que le Seigneur nous aide. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Vraiment que le Seigneur nous aide, donc que le Seigneur nous fortifie à rester dans sa parole. Amen. Soyez bénis. Je ne point vie, juste abandonné ni sa postérité mendiant. Sans pain. Je ne point vie, juste abandonné ni sa postérité mendiant. Sans pain. Oh, yeah,
Shalom, shalom, peuple de Dieu, Balandino sur la nouvelle tendance télévision, Boza partout dans le monde. La pêche binombote au nom du Seigneur Jésus-Christ, et la prophète Félix Grâce, les jeunes lions, et la cité missionnaire Arche de l'Éternel. Bien aimé, nous sommes là pour parler de quelque chose de bien. Papa Alain Ndele. A sali loko moko se pelisi biso soki koko se pelisa biso koko se pelisa pe zambi loko a sali zaki na kati ya fondation na ye a sali libiso orphelina Christ rédempteur. Bien aimé, la Bible dit en psaume, quand un orphelin crie, l'Éternel, le trône de l'Éternel bouge. Zamba zo pe kisa Moïse zo ebisa Moïse que ndenge bozawana moto alelisa mo na etikate. Voilà pourquoi
na ba initiative na ye papa Alain Ndele a fongolé libiso orphelina Christ rédempteur. C'est pourquoi j'invite tous les enfants de Dieu boza partout dans le monde boza chrétiens oyebi bolingo oyebi litere ya bolingo, je vous invite à soutenir cette œuvre et j'invite banananga nyonso baoba landaka prophète Félix Grâce baoba ndimaka prophète Félix Grâce lokola papa spirituel baoba linga ko soutenir prophète Félix Grâce, soutenons ensemble cette œuvre bolamu nyonso efutaka tala tome salaka ko pesa mutu ba fleur pendant qu'il est encore vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Zamba yebi singai. Na feti ya Kana, Jésus a bongola ki mai vino. Kasi sali wana bato ba mona kite. Yamba souflinga bikenda na veni Luka na direction Birmanie derrière maison communale ya Ngiringiri. Ndio komuna sali wana. Yango na ye. Po ye nzambe akosakate. Po nga na ye bisa nzambe wana. So akosi nga na ye. Tolo banate. Du nouveau à Kinshasa. Ngirigiri la tila maya sika. La salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité. Conditions VIP. Sécurité assurée. Tout au bon point. Très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire. Pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très très disponible. Bien-aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yasika, di nouveau, nulle part ailleurs, di nouveau à Kinshasa. Pour tout contact, merci Seigneur, merci. Talabo Kesinizali, entre Fetio Kendaka, y'a voisin na yoto voisin na yo. Ce qui est Kesinizali, y'a solo, Fetio Yoko Salamo Kunate. Y'a yo, y'a Kanangwao. Y'a Kanangwao. Y'a Kanangwao. Merci.